Parce que ça fait quand même 3 ans d'affilée que nous gagnons à domicile. Et que derrière, il y a eu, il n'y a pas eu de mauvaises séries, il n'y a pas eu de grandes séries. Il y a simplement eu une victoire qui, importante aux yeux, avec une grande exposition médiatique, et importante aux yeux des supporters, c'est ça, mais c'est aussi important en termes de points. Elle nous permet de prendre certains points d'avance. Elle nous permet de recoller, aux concurrents directs. Mais c'est sûrement pas, je vois pas ça et le passé me fait dire que c'est pas un tournant. La victoire dans le derby, c'est pas un tournant. Non. Non, c'est ce qu'on va faire maintenant qui est important. Le derby, il est passé, il est passé. Les grands joueurs qui sont passés à l'Olympique Lyonnais, j'en ai côtoyé. Il y en a qui sont partis quand je suis arrivé, il y en a d'autres avec qui j'ai travaillé. Des Juninho, des Sidney Govou, des Claudio Cassapa, qui fait partie de l'effectif, des Chris, qui sont au club. La référence, c'est eux. Eux, ils ont accepté la défaite pour la ligne. C'est eux la référence. Eux sont les grands joueurs. La banque, les grands joueurs de l'histoire, ceux qui ont fait l'histoire du club, ils savent perdre avec dignité. Et nous, on s'est gagné avec humilité. Que pour être très, très clair, les joueurs répondent aux joueurs, les entraîneurs répondent aux entraîneurs. J'ai dit ce que j'avais à dire sur Fabien, sur mon joueur, par rapport à la sortie de Bruno. Je répète qu'il y a, à mon avis, dans la déception et la colère, voilà. Après, sur l'image et la parole rattrapée par la caméra qui est dans le couloir, c'est une affaire de président. Et que... Voilà. J'ai parlé avec Fabien hier. Et que... Je l'avais trouvé très marqué, et j'ai trouvé hier injustement attaqué, en lui disant « tu es la victime ». Fabien n'avait aucun antécédent, et n'a aucun antécédent dans les derbies, et que je voulais qu'il ressente, qu'il connaisse ma position et qu'il ait mon soutien, et qu'en aucun cas il était responsable de tout ce qui sortait, mais aussi après la preuve en est, il y a eu ce qui s'est dit de suite après le derby, et la réaction des uns et des autres, et de vous les médias, la position des médias, des spécialistes, sur ce qui s'est passé. Fabien est victime d'un tacle très engagé pour la ligne. On ne peut pas dire que Fabien soit victime d'une réputation, il n'a jamais rien fait dans un derby.